Tiens, ma princesse, c'est pour toi. Mange avant que ça ne devienne froid. Allez, je vais être en retard. Passe une bonne journée. Installez, nous allons commencer. J'avais hâte de vous retrouver, docteur. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Mort. Je me sens complètement mort. Comme celle auprès de qui je me réveille chaque matin. Oui, alors ça, on en avait déjà parlé lors de la séance précédente. Il va falloir que vous vous sépariez de ce cadavre qui vous ancre dans votre vie passée. Je sais, mais je n'y suis pas arrivée. J'ai peur de me sentir encore plus seule. Je regrette mon geste. Il me manque affreusement. Pourquoi je l'ai tué ? Pourquoi ? Écoutez, c'est déjà bien. Vous émettez pour la première fois une once de regret. Il était fort. Terriblement fort. Et vraiment rusé, mon bateau. Un vrai diable. Il aurait pu me battre s'il n'avait pas été aussi lâche. Mais non, lui, il était là. Non, Joker, moi, je suis un héros. Je ne tue pas les vilains. Fils de pute ! Regarde ! Regarde où j'en suis, bateau ! On respire. Respirez. Calmez-vous. D'accord ? On se concentre sur ma voix et surtout, on reste positif. Le positif, c'est vrai. Vous savez, j'ai réfléchi. Et en tuant Batman, j'ai libéré la ville du Joker. À quoi bon faire souffrir Gotham sans Batman pour regarder sa chère ville souffrir ? On peut dire que je suis un héros. Oui, je suis un héros. La justice m'a pardonné. Et la police me laisse tranquille maintenant. Non, la police ne vous a pas mis en prison parce qu'elle n'arrive pas à vous arrêter. Et ils ont peur de vous. Car vous êtes un assassin. C'est vrai. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Et vous ? Est-ce que je vous fais peur, docteur ? Est-ce que ma vue vous glace le sang ? Est-ce que l'idée de mourir entre mes mains vous empêche de bien respirer ? Non, car vous êtes mon patient. Oui, c'est vrai. Et vous vous mettez bien. 300 patates la séance. Ça fait mal aux fesses. Ce sont les tarifs pour essayer de retrouver un équilibre intérieur. Et je crois que c'est ce que nous cherchons, non ? Vous ne voulez plus être un meurtrier ? Non. C'est pas beau, les tueurs. Ça pue du cul. Et d'ailleurs, comment ils l'ont pris, vos hommes, quand vous leur avez dit que c'était fini ? Pas top top. Ils étaient... tristes. Alors c'est vrai ? Vous allez pas nous laisser comme ça, chef. On vous aime. On peut pas arrêter là. Maintenant que le Batman n'est plus de ce monde, la ville est à nous. Mes chers enfants, ça me brise le cœur, sachez-le. Vous m'avez tant apporté. Vous êtes mes plus fidèles généraux. Alors avant de me retirer, je voulais vous dire merci, merci et merci. On sera toujours avec vous. C'est à la vie, à la mort. Oui, c'est vrai. C'est à la vie.
Mais maintenant, il est temps de passer à la mort. Starfall. Et je leur ai donné leur part du magot et je les ai laissés s'envoler. C'était une première étape importante de votre reconstruction, mais aussi de votre réinsertion sociale. D'ailleurs, comment se sont passés les premiers jours de travail ? Oh, très bien. Bon, au début, ils étaient un petit peu surpris, mais je me suis très vite intégré à l'équipe. Alors, je suis extrêmement fier de vous, hein, aujourd'hui, vous vous en doutez. Il y a eu beaucoup de travail, vous avez peu dormi, mais je pense que le résultat est... Et là. Alors, les chiffres ce mois-ci ont été excellents. Bravo, Arthur, vraiment. Et Martha, pardon, aussi, pour ce business plan. Je pense que votre prime est tout à fait méritée. Bravo, bravo. Bravo Arthur, bravo Martha. Dites-moi, patron, je regardais les chiffres des salaires et Arthur gagne plus que Martha. Pourquoi ? Ils font le même travail. Oui, c'est exact. C'est pas très sympa pour Martha. Enfin, moi, je ne fais qu'appliquer. T'appliques rien du tout, tête de bite! Cette salope travaille aussi dur que ce salaud! On devrait tous avoir le même salaire! Car ici, on est tous des enfants de putain! Dis-moi, Philippe, est-ce qu'on t'a déjà arraché un œil avec un couteau? Écoutez, je vous propose à tous une pause. Je pense que voilà. J'ai fait de mon mieux pour que l'équipe m'aime bien. Pour qu'il y ait une bonne ambiance de travail. Ils ont des bouches à nourrir. Des familles. Vous pensez qu'un jour j'aurai une famille, docteur ? Je sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Par contre, je sais ce que c'est que de prendre un enfant. Batman a pleuré toutes les larmes de son corps quand je lui ai pris son fils. Ça avait l'air d'être si douloureux. C'est là que je me suis dit que j'aimerais bien être père. Vous lui avez brisé le cœur. Il était désemparé. Perdu. Alors je l'ai tué! C'était indigne de lui, cette attitude. Il m'a déçu. Vous savez, vous ne lui avez pas pris toute sa famille. Et je suis sûre que de là où il est, il continuera à veiller sur celle qui lui reste. Girafe! Oh, bordel de merde! Bruce a tenté de m'apprendre comment fonctionnait votre psyché. Faut dire qu'il vous a tellement côtoyé. Alors moi, il fallait que je vous attire et puis que vous me fassiez confiance. Vous êtes tellement dangereux et imprévisible que vraiment je pensais que me venger serait impossible. Vous êtes un monstre. Vous n'avez pas de cœur. Allez en enfer. J'ai un cœur.
un petit cœur comme vous, docteur. Mais à cause de ma dextrocardie, il n'est pas à gauche, mais à droite. J'ai une petite question pour vous, docteur. Est-ce qu'on vous a déjà arraché la gorge avec une fourchette? Ha 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 ha.